Dans cette vidéo, nous allons parler de licences libres et ou de libre diffusion. Donc, il faut savoir que les licences libres sont inspirées largement à la base des logiciels libres, c'est-à-dire quand les informaticiens voulaient partager du code et le mettre en open source, il y a eu ce travail sur les licences comme GPL. Et en fait, décliné à la question de l'enseignement, ça a donné les licences de libre diffusion comme les licences Creative Commons. Et il est assez important de connaître les différentes nuances de licences Creative Commons. Je vous donne quelques exemples. Dans les licences les moins restrictives, il y a ce qu'on appelle le CC0. C'est-à-dire que quand une licence est en CC0, on n'a même pas besoin de citer l'auteur. En CC BY, BY pour par qui, il faut citer l'auteur. C'est la moins restrictive des licences Creative Commons, puisque CC0, en fait, c'est le domaine public. CC BY SA, et ça c'est pour share alike, et l'idée c'est que on doit citer l'auteur, et quand on va partager, qu'on va créer notre ressource et qu'on va la partager à nouveau, on n'a pas le droit d'être plus restrictif que la licence initiale. Et ça va être la licence de Wikipédia, par exemple, la CC BY SA. Et donc ça veut dire que par exemple, imaginons qu'on a pris une ressource d'un auteur et que cette fois on veut transformer, on la transforme et qu'on repartage sur Internet, on n'a pas le droit de dire. Vous n'avez pas le droit d'avoir des usages commerciaux de cet auteur, de cette nouvelle ressource nouvellement créée. Vous n'avez pas le droit de restreindre un peu la licence. Donc ça nous amène à ce qu'on appelle le NC pour non commercial. L'idée quand on appose le NC sur un logo, c'est qu'on exclut les usages commerciaux des ressources. Par exemple, là, vous voyez en bas, moi j'ai quasiment toujours le logo et je dis CC BY SA, j'ai choisi la licence de Wikipédia. Et si j'avais rajouté le logo NC, sur ma diapositive, là, en bas, à côté de BY SA, vous n'auriez pas le droit d'utiliser cette vidéo dans une formation d'adultes où les adultes devraient payer. ND, c'est pour No Derivative, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de modifier l'œuvre originale. Enfin, originale avec un E, désolé pour la côte. Donc, par exemple, imaginons que j'ai mis un ND sur le logo en bas à droite, eh ben, vous ne pourriez pas simplement prendre cette vidéo et changer les couleurs. Par exemple, le fond en rouge. Vous n'auriez pas le droit de le faire, puisque j'aurais écrit ND pour No Derivative. Donc comme ça, on peut établir une forme de hiérarchie des licences, de la CC0 la plus ouverte à la copyright, tout droit réservé. Et finalement, c'est assez important de comprendre et de connaître les nuances. Là, vous avez CC BY NC, CC BY NCSA, CC BY NCND. Vous avez toutes les combinaisons possibles quelque part des différents logos. Donc, comprendre le fonctionnement de ces différents éléments vous permettra d'être beaucoup plus efficace, d'une part sur la réutilisation et d'autre part sur le partage des ressources. Au fait, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai créé la ressource, soit dit en passant. Vous voyez, j'ai mis CC BY. Simon Villeneuve, pour la personne qui a partagé cette ressource, je l'ai crédité, puisque ce n'est pas moi qui l'ai créée. Vous en avez plein, hein, des ressources en Creative Commons. Vous avez même des manuels entiers, un Open Textbook en anglais, OpenStax, vous avez ce site. Ce sont des manuels en licence libre ou libre diffusion. Vous pouvez aller dedans et piocher tout le contenu. À partir du moment où vous respectez la licence, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas que Wikipédia qui est sous cette licence. Il y a même des éléments interactifs et des manuels interactifs. Sur Google, vous allez à droite, vous cliquez Outils, et quand vous cliquez sur Outils, vous avez la possibilité de choisir la licence, tout licence Creative Commons, et comme ça, vous avez toutes les images que vous obtenez par ce biais-là seront en licence Creative Commons. Il faudra vous suivre exactement le type de licence, ça, il faudra aller plus loin dans les détails, mais au moins vous aurez le droit de l'utiliser dans des contextes où normalement, vous n'auriez pas le droit d'utiliser une ressource sous copyright. Même sur YouTube, hein, vous regardez fonctionnalité dans les filtres quand vous faites le moteur de recherche, vous avez la possibilité de créer et de mettre Creative Commons. Ce n'est pas simplement une lubie d'utopiste, hein, c'est vraiment ancré dans les médias comme Google, YouTube et bien d'autres, le choix de la licence quand vous faites une recherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de sites sur lesquels vous n'allez pas avoir de problème de licence. Pixabay, par exemple, vous allez sur Pixabay, vous aurez même du CC0, Jamendo pour la musique. Vous avez tout un tas d'un écosystème de sites que vous devez connaître. Là, je vais sur Pixabay et hop, vous voyez là, ces images, là, sont créatives, enfin, en CC0 et je peux les utiliser quand bien me semble, même pour un contenu commercial. Néanmoins, Pexel pour les vidéos, je l'ai beaucoup utilisé dans le passé et qui
fournit des vidéos d'assez bonne qualité. En termes de conclusion, si vous voulez aller plus loin dans ce que recouvre la licence Creative Commons ou ce que vous avez le droit de faire ou pas, je vous propose simplement d'aller sur le site des Creative Commons. Ils vous apporteront toutes les informations nécessaires. Et dernier élément, là je prêche pour ma paroisse, je pense qu'il est extrêmement important de diffuser la connaissance de ces licences, non seulement auprès du monde enseignant, mais auprès de tous les acteurs de la société civile, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants finalement qui seraient tout à fait prêts à partager leurs ressources, mais comme ils ne connaissent pas, vu qu'ils n'apposent pas les logos comme je l'ai fait sur ma diapo, finalement, on ne peut pas savoir qu'ils avaient l'intention de le faire, et du coup, on ne peut pas réellement réutiliser leurs ressources dans un cadre de la loi, en tout cas, ou sans aller les contacter, donc ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, diffuser la connaissance des Creative Commons auprès des formateurs et des enseignants, c'est une cause très importante.